Bonjour à tous, voici un message instantané du tarot des anges que je vais vous donner. Je suis Lali. Ici, eh bien, je vais répondre à votre question. Donc faites le vide dans votre tête, posez-vous cette question qui vous préoccupe et bien le tarot des anges va tout vous dire. Allez, je retourne à la première carte. Ah, on va plutôt retourner la première carte, c'est mieux. Je retournerai la deuxième ensuite, je pense que vous l'avez vu. Nous avons ici le 10 d'air, je vais la poser. Alors, il y a une amélioration qui se profile, c'est une excellente nouvelle. Si en ce moment, vous connaissez vraiment une situation très difficile par rapport à votre situation amoureuse, par rapport à votre relation professionnelle ou à une relation amicale, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que ça s'arrange pour le mieux. Hein. Donc, restez confiant, restez déterminé, ça va changer, ça va s'améliorer, et puis vous allez vraiment triompher d'une dépendance pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être une dépendance, par exemple, à une mauvaise habitude de vie, au sucre, mais aussi ça peut être une dépendance affective ou une dépendance professionnelle. Hein. Donc ici, je sens que vous allez comprendre beaucoup de choses et que vous allez essayer de prendre du recul pour pouvoir en fait vous ressourcer et recharger vos batteries, parce que je sens qu'en plus, vous êtes épuisé en ce moment, vous êtes fatigué. Je vous lis le message ici de la carte 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc c'est vraiment une carte très positive. Il y a une amélioration dans l'air. Et la deuxième carte ici qui s'est retournée, je pense que vous l'avez vue, c'est une carte majeure et c'est la carte Le Rêveur du Tarot des Anges, qui parle véritablement ici d'une libération, d'un changement, comme je vous en ai parlé, d'une amélioration, mais aussi d'un changement de direction. Il semblerait que certains d'entre vous, si vous envisagez que ça vous préoccupe un déménagement, il y a de fortes chances que vous déménagiez. Pour d'autres, ça pourrait parler d'une reconversion professionnelle et ça pourrait même parler d'une rupture professionnelle en vue de faire autre chose, en vue d'un autre poste. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc il y a cette notion d'inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, ça va vous prendre par surprise. Vous allez être étonné et c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, parce que vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir passer à un autre cycle, vous allez pouvoir démarrer de nouveaux projets et vous allez vraiment ressentir une nouvelle énergie et je ressens énormément de mouvement. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ma situation va bouger, la réponse est positive. Voilà pour ce tirage express, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, à partager la vidéo au maximum et je vous dis à très très vite.